Oh, au bout d'un moment, on commence à en avoir marre de cette intro de merde là! Ça vous dit, on change d'intro? Might be young at heart. We're still dreaming, eyes wide open. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le 73e épisode de Madventure. Et regardez les lumières là derrière, il y a des trucs qui ont changé. Ouais, ça faisait un petit moment que j'ai plus fait d'épisode de Madventure et il s'est passé pas mal de choses. Et je vais tout vous expliquer, bien évidemment, comme d'habitude, à chaque fois, il se passe toujours des choses en off. Mais je vais juste vite fait expliquer pourquoi il n'y a pas eu d'épisode depuis un bon petit moment. Comme j'avais déjà expliqué sur les réseaux sociaux, j'ai eu un problème en fait. C'est-à-dire que l'épisode 73, donc l'épisode que vous voyez maintenant, à la base, j'avais déjà tourné un épisode 73. Dans lequel je minais en fait, hein, j'avais fait du minage, donc c'est pas spécialement, enfin il s'est pas passé spécialement des choses spéciales, tu vois. Mais bon, c'est un épisode intéressant quand même. Sauf que en fait, le son du jeu n'avait pas été enregistré, du coup il y avait que le son de ma voix, du coup c'était carrément nul. Donc voilà, j'ai eu quelques petits problèmes, du coup bah finalement ça m'a saoulé et je me suis dit bah c'est pas grave, on va juste refaire un épisode normal comme ça. Donc voilà, épisode 73 commenté en direct bien évidemment. Il s'est passé pas mal de petites choses entre temps du coup, entre le dernier épisode et celui-là. Vous voyez que, alors il fait nuit, on va aller dormir, mais regardez juste avec les shaders, la luminosité, si c'est pas joli, hein, on va pas se mentir, c'est un petit peu swaggy. On va aller dormir, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Il faut savoir que mon serveur, Madventure bien évidemment, il est ouvert tout le temps, ça je l'ai toujours dit, et il est disponible pour les acolytes. J'avais déjà dit ça depuis un bon petit moment, les acolytes peuvent... Ah oui, regardez, Sweet Dream, c'est quoi ces trucs? On est en 1.12, donc je découvre la 1.12 les amis, hop. Voilà, 1.12, c'est génial. Donc il y a les nouveaux trucs. Ah ouais, du coup, alors attends, advancement. Oh, oh les gars, je découvre. C'est vrai que j'ai même pas regardé. J'ai... Attends, alors. D'accord, on peut pas cliquer. Ok, mais ça, c'est des trucs qu'on a déjà ou pas? Je comprends pas. Aventure. Sweet Dream. Ok. C'est quoi, Adventure Time? Discover Every Biome. 2 sur 36. Ah, voilà. Eh les amis, j'ai envie d'aller chercher des perroquets pour cet épisode. Pour voir la 1.12 Ah ouais, il y a aussi... Attends, j'ai envie de voir les nouveautés. Je sais, alors attends, je remercie... Bah non, attends, je vais pas citer de blast parce que voilà. C'est quelqu'un qui me l'a dit. Normalement, alors attends, je sais pas où. Voilà, on a ça. Alors avec mon ressource pack, forcément, c'est bugué. Donc il y a pas le... Mais ici, y a un petit bouton, en fait. Et ça apparaît ça. Et en gros, ça nous permet de crafter des choses avec ce qu'on a sur nous. Ah, c'est pas mal. Genre, en gros... tu sais pas quoi crafter, t'as des trucs sur toi, et ben il te met qu'est-ce que tu peux crafter. Genre par exemple, avec ce que j'ai sur moi, je peux crafter un... Bah non, je peux pas crafter de briquet en fait. C'est quoi ces conneries là? What the fuck? Je comprends pas. Ok, je comprends pas vraiment tout. Hein. On va pas se... Showing all. Hein? Ok, je comprends pas. Je sais à quoi ça sert, mais je sais pas parce que ça marche pas comme je crois que ça veut marcher. Ok, génial. Du coup les amis, je sais plus où j'en étais. Je suis un petit peu dans le caca, je vais pas vous mentir, je suis un petit peu perdu dans mes propos. Ouais, donc il y a cette nouveauté là et puis il y a les perroquets, on va voir si ça a spawné dans les biomes jungle ou pas. Ouais, du coup on va aller regarder ce qui s'est passé. Mon serveur il est allumé pour les acolytes, d'ailleurs Tounfou, tu reviens quand tu veux pour reconstruire ta maison. Voilà, hein, on va la raser si ça continue. Mais en fait il y a Créo qui s'est amusé et ça fait très plaisir, le mec il me rend magnifiquement joli cet endroit. Il a commencé une nouvelle série. Alors je sais plus exactement le nom, si c'est Bienvenue dans Madventure ou quelque chose comme ça. C'est à dire que Créo fait une série sur Madventure en gros. Donc c'est vachement original je trouve. N'hésitez pas à aller le checker, il a fait un épisode. Et en gros ce qu'il a fait, voilà, donc il a mis des petits lampadaires plutôt sympathiques. Il a agrandi le champ de blé un petit peu. Alors il savait pas trop comment l'agrandir, mais c'est parfait hein. L'idée c'est que ce soit grand quoi. Et il a mis donc une série de lampadaires autour, donc ce qui est plutôt, plutôt sympathique. Il a fait un autre chemin par là. Et il y a des trucs que j'ai pas tout vu. Là je sais qu'il a fait une petite mine pour qu'on fasse du minage optimisé. Donc ça va jusqu'à la couche 12, ça sert pas à grand chose qu'on aille jusqu'en bas. Et il est en train de construire une maison. Mais alors le gars, je vais tout lui exposer. Non je rigole, le gars il est en train de... Mais regardez ce qu'il est en train de faire gros. Il est en train de faire un truc encore plus joli que ma maison. Donc forcément c'est pas que ça me plaît pas, mais voilà. Regardez, le mec il s'est fait une petite île. Petite île avec du sable et tout, un petit ponton tranquillement. Du coup je vais aller découvrir parce que j'ai vu la maison mais de dehors quoi. Donc là il a ses coffres avec son stuff, évidemment on n'est pas des connards, on va pas aller lui voler. C'est joli, c'est très 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 joli. Ça fait très... Ah mais j'aime beaucoup là la stone comme ça et tout. Oh, il a rendu naturel... Ah j'adore, j'adore les six petites...
petite piscine privée, petit jardin. Voilà, tranquillement. J'espère qu'il m'invitera, hein, parce que là, c'est vrai que je suis un petit peu en train de rentrer chez lui sans son autorisation, bien évidemment. Alors, attends. Des petits pots de fleurs. On va rentrer à l'intérieur, hein, bien évidemment. Oh, ok, c'est pas encore aménagé, mais c'est déjà pas mal. Il a son lit là. Ici, ok, ici, c'est une vitre. Ah non, on peut sortir. D'accord, ok. Ici, un petit bar, hein, globalement. Je pense que c'est l'idée. Ah, j'aime beaucoup. On va échanger de maison, Créo, si ça te dérange pas. Hein. Ouais. Ok. Bah, personnellement, je préfère quand même cette maison que celle de Tunfu pour le moment. Hein. Bon, après, on n'a pas les. Enfin, c'est pas le même délire de construction, hein, bien évidemment. Tunfu, il a voulu faire un truc plus médiéval. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle. Alors que là, c'est plus moderne. Par contre, Créo, sécurise ta maison. Hein, parce que tu vas te faire violer. Oula. Monster Hunter, check receipt. New recipes unlocked. Quoi, il y a des recettes qui ont été débloquées. Ne me dis pas que j'ai des recettes bloquées. Vas-y, c'est de la merde. Je sens que la 1.12 va me prendre la tête, les gars. Mais bon, c'est pas grave. Bah, c'est ma foi fort sympathique, on verra l'avancée. N'hésitez pas à aller regarder sur la chaîne de Créo, du coup, sa série, entre guillemets, parce que du coup, c'est une série sur Madventure. Et j'invite d'ailleurs mes autres acolytes, et d'autres collègues, genre Dragon Alpha ou même Tunfu, s'ils veulent faire des vidéos ici, bah, y a pas de souci. Tant que vous exposez pas ma maison, moi, ça me dérange pas, les gars. Tranquille. On fait avancer la série tranquillement. Au niveau des drapeaux d'ailleurs, je me suis renseigné, on va vite fait en parler. Par contre, c'est Craft Rocket Punks, mais c'est quoi ça? Je comprends pas ces trucs là. Ça m'a débloqué des trucs, c'est-à-dire que j'avais des trucs bloqués. Attends, le cœur et l'histoire du jeu. Ça c'est débloqué, on est d'accord. Miner quelque chose avec une nouvelle hache. Une nouvelle pioche, qu'est-ce que je raconte, je sais même plus ce que je dis. Oui, tout ça a été acquis. Forme et mine bloc. Ça a pas été acquis? Parce que je suis désolé, mais j'ai déjà cassé un bloc d'obsidienne. Mm-hmm. C'est quoi ça? C'est nouveau ça encore. Ah, il y a plusieurs thèmes. Aventure, Minecraft, Husbandry, je sais pas ce que ça veut dire. Je suppose que c'est agriculture, nourriture, tout ça quoi. Ah, ok, c'est plutôt cool. Plutôt cool. Alors attendez, du coup je me suis renseigné, j'ai fait des recherches à propos des drapeaux. Puisque je rappelle que l'un de nos objectifs c'est d'avoir... nous allons le regarder maintenant. Il est juste à la page... 15. Faire le drapeau français, donc c'est fait. Faire le drapeau belge, italien, québécois, portugais, hongrois et allemand. Voilà, ça c'est le drapeau à faire. Et alors ça c'est le drapeau belge. Avec le shader on voit pas très bien, mais ça c'est le drapeau belge. Donc voilà, c'est sûr, voilà, c'est noir, jaune, rouge. Ça c'est le drapeau italien, bien évidemment, vert, blanc, rouge. Et le drapeau français ici. Et ici en fait, ça c'était censé être le drapeau de l'Allemagne, mais je me suis chié. Parce que du coup, on le voit de gauche à droite. En fait, faudrait le regarder de haut en bas, tu vois. En gros, c'est noir, rouge, jaune. Et pas noir ou jaune. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah bah, trop bien. Du coup, on va le refaire. On va le refaire. Voilà, les amis, j'ai les crafts sous les yeux. Donc, on va prendre... ah oui, mais alors du coup... Attends, tu sais quoi déjà? On va prendre ça. Voilà, on va prendre ça et on va le jeter. On va le jeter. On va prendre notre petit passage secret. Par contre, là, l'achievement haut à droite, je sais pas quoi, là. J'aimerais bien que ça s'enlève, hein, parce que je sais pas comment on fait pour l'enlever. Je sais pas, je clique partout, ça m'énerve. Eh, pourquoi ça veut pas s'enlever là? The Rustic Book. Pourquoi on a un livre de recettes? What the fuck? Je sais pas, je regarde là, mais. Ok. Copropo! Copropo, copropo! Attends, j'ai pas. Non, j'ai pas de pioche en diable. Excusez-moi, je suis au bord de roter là. Hein. C'est des choses qui arrivent. Alors attendez. Attendez, les amis. Mais attendez, les amis. J'ai carrément une bite. Attendez, excusez-moi. Hein. Il faut juste que je fasse un truc. Non, c'est bon, j'ai rien dit, j'ai pas fait de bêtises. C'est bon. Non, parce que je rappelle que je peux parler avec vous, les abonnés, sur Discord en direct. D'ailleurs, il y a pas mal de gens. Voilà, big up à vous, Noémie, Oscar, Firestorm, Le Geek, TiaCraft, Trilex et TanJulian. Voilà, il y a pas mal de gens qui sont prêts à me parler. Pour le moment, je suis un petit peu concentré dans mes drapeaux et puis après, je parlerai avec vous, bien évidemment. Pourquoi on a deux totems? Parce que ces conneries là. Bon, bref, pourquoi on a des cookies? Ah oui, c'est un objectif, c'est vrai. Attendez, je suis perdu. Ah oui, merde, c'était Craft que je voulais voir. Du coup, il nous faut. Est-ce qu'on a des bannières? Enfin, des drapeaux, du coup. Est-ce qu'on en a déjà? Je ne crois pas. Génial. Ok, est-ce qu'on a de la laine? Putain, et si je commence des épisodes sans avoir rien prévu? J'ai pas de laine. J'ai pas de mouton, j'ai rien, là? Sans déconner? Mais attendez, mais je suis une victime ou quoi? J'ai pas de mouton? Attends, j'ai plus de mouton, on est d'accord? Attendez, je suis une victime de la société, les gars. J'ai que des vaches. J'ai qu'une vache. What? J'ai plus de moutons. Je croyais que j'avais encore des moutons, moi. Ah, attends, c'était pas prévu dans le programme, les gars. J'ai ce qu'il me faut en colorant. C'est cool.
Mais si j'ai pas de laine, on va pas aller... Ah mais si y a de la laine là, je suis un mongol, excusez-moi. Alors attendez, du coup, bah du coup il faut le colorant rouge, hein, bien évidemment. Check. Oh là, mais c'est chiant ça, ces machins en haut. Qu'est-ce que je fais? Donc attends, il en faut 3, 6. Voilà. Donc on va faire une petite bannière rouge. Ensuite, il nous faut des poches d'encre, chose que nous avons, il me semble. Je vais encore prendre 30 ans à les trouver. Les poches d'encre, bah, ça se trouve j'en ai même pas. Hein. Si ça se trouve j'en ai pas. J'ai pas de poche d'encre sans déconner. S'il te plaît quoi, vas-y, hé hey. J'en avais cherché dans les autres épisodes. Putain, faut vite que j'aille en chercher. Au pire, c'est quoi, c'est pas grave, il y a de l'eau un petit peu partout. On va bien trouver un poulpe à quelque part, hein. Hein, je pense. Je pense qu'on peut y arriver les amis. On va y arriver, j'ai espoir en l'avenir. Bon du coup pour cet épisode, le programme vous l'aurez compris, hein, on va faire les drapeaux. Mais on va aussi je vais aussi vous parler de quelques petites choses. J'ai des questions à vous demander. Voilà, j'ai des questions à vous poser, excusez-moi. Je suis fatigué, il fait chaud, c'est la canicule. Ça se trouve au moment où sortir la vidéo, il fera froid. Bref, des petits poulpes. Où c'est qu'il y aurait des petits poulpes bien dégueulasses? Eh bien, je ne sais pas. Là, il y en a, très bien. Il y en a pas mal, il y en a deux. Ce qui est déjà pas mal. Hein. On va pas se mentir. Voilà, vas-y. Hop, vas-y, tu meurs quand tu veux, gros. Je te tape ou quoi, là? Voilà, j'en ai deux. On va en prendre plus, parce que ça suffira pas. Il est où l'autre? Ah bah il y en a plusieurs encore, nickel. Bah c'est quoi là? Opération on bute les poulpes et on s'en bat les couilles, hein. Voilà, excusez-moi. Et il y a pas mal de poulpes ici, on pourrait faire un élevage de poulpes en plus, ça c'est plutôt cool. C'est pas possible hein, sur Minecraft, hein, c'est dommage. Voilà, je donne des idées. Voilà. Après vous le prenez pas, ce que vous voulez. Hein. Hop, ok on a 11. On va voir s'il y a d'autres poulpes encore comme ça. Ouais il y en a encore, ça nous évitera de faire plusieurs fois la navette. Pour les drapeaux suivants, vous m'avez compris. Ok, on en a 13. La nuit commence à tomber. J'ai un lit sur moi. Ah ouais! Maintenant, il y a des lits de différentes couleurs aussi. En 1.12. Ça, c'est cool. Ça, c'est un truc que j'ai toujours rêvé. Qu'on puisse changer la couleur des draps, tu vois. Et maintenant, c'est possible. Seul problème, c'est que tu peux plus utiliser 3 laines de couleurs différentes pour faire un lit. Donc, c'est dans la merde. Bah, écoute. Voilà, tout simplement. Du coup, on a un lit rouge. Mais alors, je me pose une question. Si on fait un lit avec de la laine blanche, est-ce que ça fait un lit blanc? Parce que du coup finalement c'est... What, attends, la texture elle est différente. What, la texture de l'item qui est droppé, il est différent. Ah ouais, c'est pas mal. Y a encore des poulpes là ou pas? Pas que je passe à côté de quelque chose. Bah non, je crois qu'il y a plus de poulpes. Oh d'ailleurs les amis, j'ai cassé mes bottes en diams. Je sais pas si je l'avais montré en épisode ou si c'était dans mon épisode fail, je sais pas. Mais j'ai cassé mes bottes en diams qui avaient... Enfin, qui me permettait de nager vite dans l'eau. Voilà, du coup, je suis plutôt dégoûté. Putain, on a un mouton là. J'ai pas du blé sur moi. Putain, dommage. Faudra qu'on le ramène. Et là, il y a un autre mouton. Mais les gars, je m'étouffe. Hein. Je m'étouffe en direct. Bah, écoute. Mais attends, les gars, il y a du mouton. Il y a des animaux qui ont spawn encore là. On va pouvoir continuer l'élevage. C'est cool. Par contre, ça me fait trop de la peine de voir la maison de Créo. Ah, un mouton. De voir la maison de Créo et de voir la mienne. Enfin, franchement, à côté, ça, c'est vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Je trouve ça carrément ridicule. Ah, les amis, d'ailleurs, surprise, je n'ai rien dit. Voilà, je n'ai rien dit. J'ai laissé le suspense. J'ai changé d'intro de Madventure. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué. Je n'ai rien dit. J'ai fait genre que c'était normal. Donc voilà, je remercie Riglé. Le VFX qui m'a fait mon intro. Mon intro habituel. Hein. Donc il m'a fait une nouvelle intro pour Madventure qui est vachement stylée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, tout ça. Enfin franchement moi j'aime beaucoup quoi. Enfin c'est pas pour rien du coup que je le remercie quoi. On en était où? Ok je fais n'importe quoi. On en était là, on met ça, on met les poches d'encre juste au-dessus pour faire du noir. Et pour faire du jaune, il nous faut du jaune, chose que nous n'avons pas. Faut de ma gueule. Ah si j'en ai là. Non, 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 non. C'est ça que je veux. J'en ai pas plus. Putain, il m'en faut 3, c'est une blague, s'il te plaît. S'il te plaît. Je n'ai pas... Non, mais j'ai pas assez de... Sans déconner, là, une petite fleur jaune. Vas-y, il y a une petite fleur jaune qui traîne dehors. Et c'est obligé, de toute façon. Une petite fleur jaune, là. S'il vous plaît. Vous voyez pas une petite fleur jaune, là? Pas très loin. Non, là, elles sont rouges. Là-bas, il y a plein de fleurs jaunes. Prends zen de... Ah, merde, j'ai fait une connerie. Je me suis démute de Discord. Ah c'est bon, vous avez entendu un...
Vous avez entendu un abonné qui a parlé bizarrement. Je pense qu'ils sont en train de parler ensemble. Putain, je me suis démute de Discord, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un qui était dans mon dos là, qui était en train de me masser. Ok, très bien. Hop, du coup, la petite fleur jaune, magnifique, c'est parti. Bah c'est quoi, on va aller leur faire un petit coucou. Là on est avec le Geek, Firestorm et Trilex. Wesh, bonjour. Ah merde, je suis teubé, j'ai oublié d'enlever mon micro, attendez. Hop. Ouais, bonjour. Bonsoir, ça va bien? Bonjour Mkolo. C'est moi Mkolo, ça va bien le Geek? Ça va, tu t'appelles comment? Sur quoi? Bonsoir. Non, bah, je t'ai déjà dit en privé. Bah oui, mais j'ai oublié. Parce que je sais plus en fait. Bah alors tu me move sur salle privée alors. Bah non, de toute façon tout le monde t'entend en vidéo, mec. Ah, tu veux pas qu'on dise ton prénom? En vidéo. Ah ouais, je suis en vidéo, gros. Je suis en train de tourner un épisode de Madventure là. Si tu veux dire bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Ah, ça te fait plaisir. Ouais. Ah bah écoute, bah c'est super. Ça va bien Arthur au passage? Ouais, ça va, tranquille. Ah génial. J'ai vu ta vidéo Coccinelle. Ah bah merci beaucoup, ça fait plaisir. Très bien. Bah écoutez, ça fait plaisir. Je reviens à plus. Alors attendez, je me concentre encore. Donc j'ai fait le drapeau de l'Allemagne, on est d'accord que ça c'est l'Allemagne. C'est quoi pour le moment? On va le planter temporairement ici. Donc ça c'est fait. Ensuite, le drapeau. Le drapeau québécois il est compliqué. Hein. Le drapeau québécois il nous faut de la bonne mille et des fleurs Daisy. Enfin pour faire à peu près le. À peu près ce que je veux. Alors déjà il nous faut du colorant bleu. Ça c'est très important. Du colorant bleu. Nous n'avons pas de colorant bleu. Comment on fait du colorant bleu? Oh, je sais pas comment on fait du colorant bleu en plus. Ah bah si, putain, je suis teubé avec du lapis peut-être. Bah j'ai du lapis sur moi. Alors attends, hop, on va se faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, voilà. On se fait la bannière bleue. Qui fait un petit peu bleu, ouais. Pas mal. Et il nous faut de la bonne mille. On va essayer de faire le drapeau québécois du coup. Me criez pas dessus les amis si c'est pas parfait. Forcément, on est sur Minecraft, on peut pas... En gros, c'est le drapeau bleu avec une fleur de lys au milieu. Hein, pour ceux qui ne verraient pas... D'ailleurs les Québécois, n'hésitez pas à m'expliquer pourquoi il y a une fleur de lys en fait. Qu'est-ce qu'elle représente en fait? N'hésitez pas à me dire. J'ai pas de bonne mine, hein. Je suis vraiment une victime. Les gars, je suis une victime. Ah mais attends, mais j'ai des os, putain, je suis teubé. Ouais, je suis une victime, ce que je dis. Hop, voilà, donne-moi de la bonne mine. Je fais n'importe quoi. Hop, du coup, c'est le stress, ça vous inquiétez pas. On va faire ça comme ça, on fait une petite croix. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien évidemment, on refait une deuxième croix, c'est quoi ces conneries là? Attends, ça colle pas avec ce qu'il faut faire. Bon, on refait une deuxième croix, ok. Ah, c'est pour rendre plus dur. Et il nous... Oh, parfait! On a la fleur qu'il faut. Enfin, la fleur de lys, bien évidemment, mais je pense pas que ça fasse... Bon, on va voir comment ça va donner. On va mettre ça là, du coup, ça là, normalement. Ça marche pas, si je mets ça là. Ah, voilà, ça fait une fleur. Hop, du coup, on va remettre deux fois pour rendre mieux. Hop. Voilà. Est-ce que ça rend bien? Ah putain, c'est pas du tout ça. Ça fait une... Eh, franchement, on peut pas faire mieux. Ça fait une fleur, quoi, là. Mais c'est pas du tout la fleur de lys comme sur le drapeau québécois, quoi. Eh les gars, au moins, j'ai essayé de le faire. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, bien évidemment, de mes talents, bien évidemment, que j'ai chopé sur Internet, hein, vous l'avez compris. On va faire les drapeaux italiens, ça. Ça, par contre, c'est cool. En plus, j'ai du cactus, normalement. J'en ai... Attends, mais il me faut... Là, voilà, parfait. Il m'en faut 3. Faut faire un drapeau blanc, ça tombe bien. Ah, j'ai plus de laine. Ah, c'est cool. Ah, j'ai plus de laine. Alors, attends, ce qu'on va faire, les amis. On va se faire des cisailles. Tranquillement, sans pression. Par contre, je vous jure, je vais péter un câble avec vos achievements en haut à droite, là. Sérieux, ça, c'est un truc qui me rend fou. J'ai l'impression de commencer une nouvelle aventure. Sérieux, c'est pas très agréable. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Bon. Il y a les abonnés. Enfin, les... Qu'est-ce que je raconte? Il y a les chiens qui sont en train de faire du bruit. Enfin, les chiens qui ont comme nom les abonnés, hein. Je rappelle, bien évidemment. Pas que vous croyez que je vous considère comme des chiens. Enfin, vous avez compris, quoi. Regardez. Eh, hey, bonjour, comment ça va? Vous êtes encore en vie? Toujours vivant? Regarde, par exemple, là, on a Dr. McDuff. Bonjour, Dr. McDuff. Bon, du coup, j'ai tondu un mouton. Voilà, c'était la petite partie de plaisir. Et on va faire le drapeau italien. Du coup, ça nous aura fait 3 drapeaux dans cet épisode. Mais c'est vrai que... Alors, il y a le drapeau espagnol. Celui-là, il est compliqué. Hein. Celui-là, il est très compliqué. À le faire vraiment pareil qu'en vrai, quoi. C'est un peu comme le Québec, quoi. Un peu compliqué. Du coup, hop, on se fait le... Enfin, la bannière, du coup. Allô? C'est une blague?
Ah ok, j'ai cru que ça marchait pas. Du coup, hop, on met ça là. J'ai le colorant parfait pour là. Et donc, hop, on met le vert. Non mais attendez, mais c'est le même drapeau que l'Italie. Ah non, non, non! Attends, c'est quoi comme drapeau, ça? Attendez. Je suis un golemon. C'est quoi comme drapeau? Attendez, je le fais quand même. Rouge, blanc, vert. Rouge, blanc, vert. Rouge, blanc, vert. Ah merde! Rouge, blanc, vert! C'est la Hongrie, ça! C'est la Hongrie, je me suis trompé de sens. Fallait que ce soit de comme l'Allemagne. Rouge, blanc, vert, ça aurait dû être. Et j'ai fait la même erreur que l'Allemagne. Oh, je suis un pénis, putain. Et je le savais au fond de moi qu'il fallait pas que je fasse de la... Ah, attends, c'est pas grave. Bah si, c'est carrément grave. Ah, vas-y, c'est pas grave, non? Eh, au pire, ouais, vas-y, c'est bon. Eh, c'est quoi? On a trois drapeaux. Au pire, on changera ça en temps et en heure s'il le faut vraiment. Si ça dérange. Moi, c'était surtout l'Allemagne que ça me dérangeait parce que ça me faisait bizarre de voir le drapeau comme ça. Là, ça me choque pas, la Hongrie. Enfin, bref. Tu vois quoi je veux dire? Eh, big up à tous, en tout cas, ça fait plaisir. Hop, on prend le chemin d'eau. C'est vrai qu'il y a des chemins, mais nous, on est un petit peu teubés, donc on prend les petits cours d'eau. Parce que voilà. Toonfou, s'il te plaît, par contre, si tu pourrais reconstruire ta maison ou la déplacer ou l'enlever carrément, moi, je veux bien. Parce que c'est pas que ça nique le décor, mais. Bon, ma maison nique un petit peu le décor aussi, mais bon, bref, soit. Hop, du coup, le drapeau de la Hongrie. Voilà. Le drapeau de l'Allemagne. Et le drapeau du Québec. Tabarnak, on va le mettre là. Non, ça va. Ça va, franchement, c'est pas dégueu. Alors, attends. Ouais, non, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. Donc, Belgique, c'est bon. Ouais, Belgique, c'est bon. D'ailleurs, big up. Big up à Silverboy et Cériac. Italie, c'est bon. Québec, c'est bon. Portugal c'est pas bon, Allemagne c'est bon, Hongrie c'est bon. Donc il y a plus que le Portugal à faire. En commentaire, n'hésitez pas à me dire, à me donner des idées aussi si vous voulez. Hein, si vous venez d'un pays, vous regardez mes vidéos d'un autre pays, n'hésitez pas, inventez pas quelque chose. Hein, genre si vous êtes français, mettez pas le pays autre chose. Enfin tu vois, moi j'ai voilà, j'ai envie de représenter un petit peu les pays des viewers. Du coup qu'est-ce que je voulais faire à part ça? Ah ouais, bah en fait à la base je voulais continuer les objectifs. Mais en fait, je meurs d'envie d'aller voir s'il y a des perroquets dans la jungle. Parce que en vrai, je vais pas vous mentir, dès que la 1.12 était sortie, je suis allé en créatif, je suis allé dans un monde généré aléatoirement, et puis je fais spawn des perroquets. Mais j'aimerais voir, en vrai, comment ça se passe, comment on apprivoise. Moi, j'ai vu qu'on pouvait les apprivoiser avec des graines. Avant, on pouvait les apprivoiser avec des cookies, je crois. Je me suis un petit peu renseigné, les gars. Je suis pas, pour une fois, je suis pas à la ramasse. Alors, tu sais quoi, au cas où, je vais prendre deux cookies sur moi, mais il me semble qu'on peut pas. Hein. Après voilà, je dis ça, je dis rien. On va ranger ça là. Non, ça c'est un minerai ça. Bah écoute, on va ranger tout ça là. La nourriture. C'est quoi ces coffres pas triés là? Pourquoi y'a rien qui est trié? C'est quoi ces conneries là? Bah tu sais quoi, je vais prendre ça sur moi. Hop, on range ça là, tout ça, tout ça. Ah j'ai plus de place. Bah tu sais quoi, attends, qu'est-ce qu'on peut jeter? Qu'est-ce qu'on peut jeter? On va jeter le bateau puisqu'on va le... On va peut-être le prendre. Ah il pleut. Il pleut? Ah oui, je crois qu'il pleut. Très bien, il pleut. Du coup, bah on va ranger ça à la place de la torche de redstone. Voilà, ça me semble être plutôt pas mal. Hop. Ah, par contre, il me faut des graines du coup. On va voir si on peut en apprivoiser un. Ce serait génial. J'ai pas de graines. Putain. J'aime ma vie, hein. Franchement, je vous le dis, j'aime ma vie. Ah si, j'ai des graines là, parfait. Vas-y, c'est parti, on va y aller. Je vais manger une spider eye parce que c'est trop cool. Voilà, comme ça je suis empoisonné, c'est un vrai plaisir. On va aller dormir, comme ça la nuit passe et le mauvais temps aussi. Et du coup, on est plutôt pas mal. On est parti pour aller dans un biome jungle. On va aller dans le biome jungle qu'on avait déjà généré. Voir si on a besoin ou pas de générer vraiment un nouveau monde ou pas. Enfin, un nouveau biome jungle. Enfin, on va voir si ça spawn ou pas. Je pense, normalement ça devrait spawn. Parce que, vous voyez les moutons là? Les moutons qui sont là que j'ai tondus, voilà, il y en a un qui est... bah là on n'en voit pas, enfin bref. Ah merde, faut prendre le portail, je suis bête. Ah merde, bonjour. Je me suis démuté, excusez-moi, bonsoir. Eh, je fais des bêtises, je me suis démuté de Discord. On prend le portail, mais je sais plus ce que je disais. Ah oui, parce que le mouton qu'il y avait dehors, ils ont respawn. Donc en fait, je pense que ça doit être pareil pour les perroquets. Allez, c'est parti, on prend le bateau, on y go. Go, 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 Power Rangers. Non, je sais pas pourquoi je dis ça. Tranquille, on s'arrête. J'adore ce système de... ce système de...
Ce système de déplacement, ce système de tunnel, merci beaucoup. Je suis perturbé parce que sur le Discord, ils sont tous en train de débattre parce que genre depuis avant, je me démute. Parce que pour vous expliquer sur le Discord, n'hésitez pas à me rejoindre, c'est dans la description. En fait, il y a plusieurs salons vocaux MadVenture, et là je suis dans un, et il y en a d'autres qui m'attendent dans d'autres. Et depuis avant, je me démute que dans un et pas dans l'autre, mais parce que je fais pas exprès, du coup les gens ils sont en train de s'énerver. Mais il faut pas s'énerver les amis, tranquille, chaque chose en son temps les gars. Alors, on est du coup dans le biome jungle, attention, franchement, je vois un perroquet, je crie, je m'en bats les couilles. Ah, attends, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans le ciel là, je comprends rien à ma vie. Oh, ok, bonsoir. Bonsoir. Et du coup d'ailleurs au niveau des sondages, des épisodes minage, ça vous intéresse? Voilà, du coup je ferai des épisodes minage rarement, mais quand on en aura besoin notamment. Ok. Donc on a des cochons, on va aller se diriger dans la jungle du coup, et on va voir s'il y a des perroquets ou pas. On laisse un petit peu le temps des chunks de se générer, et puis on va voir. Et tu sais quoi, pour rigoler, je vais me démute de Discord, mais je vais écouter ce qu'ils disent sans qu'ils m'entendent. Alors attendez, je vais couper mon micro, mais juste pas. Voilà, c'est bon. Ils m'entendent pas. Ça va sur Minecraft. Ah, ils sont en train de parler. Donc il y a le geek. On joue ensemble à la pastille. Oula. Excusez-moi. Ah. Il m'arrive de dire ce que j'écoute à voix haute. Ah voilà, Ethan Julien est en train de parler tout seul actuellement. Et là, la chanson, elle m'avait trop entraîné. Ah bah, c'est super. C'est super. Qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Rampage Fire, t'as l'air de t'éclater. Ah. Qui, moi? Ouais. Ah bah oui, comme toujours. Eh, ça a l'air d'être l'éclate dans le... C'est l'éclate dans leur salon, alors attends, je vais me remuter. Hop. Du coup, il n'y a pas de... perroquet. Est-ce qu'ils sont en haut des arbres? C'est ça la question. Est-ce que ça enregistre encore? C'est ça la question aussi. Ça enregistre encore, c'est bon. Eh bah écoute, c'est génial. Il n'y a pas de perroquet, les amis. Donc je pense qu'en vrai ils vont arriver. Enfin genre faut attendre que ça spawn. Là il y a des poulets. Je pense pas que ce soit nécessaire de charger des nouveaux chunks, mais dans le doute on va continuer de marcher. De toute façon on va continuer un petit peu de se balader hein, tranquillement. Je crois qu'on avait déjà exploré toute la jungle, si je dis pas de bêtises. Là on a des œufs. Bah merci pour les œufs. C'est vraiment chiant les achievements en haut à droite hein. Franchement c'est je vais pas te mentir que ça m'énerve. Voilà. Ok, du melon. Je sais pas si on avait tout exploré dans cette jungle en fait. Ça se trouve on a raté des trucs, c'est pas impossible. Ce qui est sûr c'est que là on rate des perroquets. Il y a une araignée, je sais pas où. J'ai entendu une araignée. Ça ne me rassure pas du tout. Je vais pas vous mentir. Ok. Y a pas de perroquet, hein. Là clairement on est d'accord qu'il n'y a pas de perroquet. Attends, ça commence à me saouler là. Je commence à désespérer les amis. Moi j'ai envie de découvrir, j'ai envie de voir, j'ai envie d'apprivoiser un perroquet. Comme ça il répète tout ce que tu dis, c'est trop cool. A priori il n'y en a pas. En tout cas pas encore. Ce qui est un petit peu insatisfaisant. Voilà. Ouais, ça me déplaît. Ça me déplaît carrément les gars. Par contre c'est joli ici. Je sais pas si on est déjà allé là, c'est joli. Tu sais quoi, je vais faire un screen, ce sera la miniature de la vidéo. Voilà. Ce sera la miniature de cet épisode. Oula, qu'est-ce que je fais? Par contre, ouais, y a définitivement pas de perroquet. Y a pas de perroquet. Est-ce que vous pensez que si je découvre... Bah non, non, on est sur un serveur. Je suis en panique les amis. Attends, je vais monter un petit peu, prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. What the fuck, il y a un village PNJ. Ah, il me semble qu'on l'avait déjà vu. Ouais, on l'avait déjà vu. Oh merde, je me suis redémute sur... je suis une bite. Excusez-moi, faut que j'arrête de dire une bite, hein, par contre. Ouais, on avait déjà vu ce Discord. On a déjà vu ce village. Ok. Bon, bah y a pas de perroquet. Bah, je serais tenté d'arrêter l'épisode là, parce que du coup, là, il y aurait que le retour à faire, et du coup, là, je suis plus du tout dans le mood. Dans le mood de faire un objectif. Surtout que voilà, j'ai pas envie que l'épisode dure trop longtemps pour pas grand chose finalement. Mais c'est juste un petit peu chiant quoi. Y a pas de perroquet. Enfin, genre. Là-bas y a encore de la jungle. Attendez, on va continuer, y a encore de la jungle. Attendez. Eh hey, les gars, les gars. Merde. Attends. Ouais, merde. Attends, j'essaie de parler. Allô, j'essaie de communiquer. Allô. Oui, allô. Ah, oui. Bonjour. Et juste oui. Ethan Julien. Bonjour. Oui, bonjour. Ethan Julien, toi qui connais tout sur tout.
Ah ouais, avec plaisir, j'écoute. Voilà, les perroquets. Ouais. Les connards de perroquets qui sont dans la jungle. On est d'accord qu'il n'y a pas besoin de générer des nouveaux chunks pour qu'ils apparaissent. Non. Ce sont des entités pacifiques et donc ce ne sont pas agressives, donc si, je pense que oui. Ah, faut générer des... Ouais, c'est seulement pour les mobs agressifs où il n'y a pas besoin de nouveaux. Ah ok. Bah moi je dis l'inverse. Ah voilà. Ah d'accord, après... bah écoutez, mettez-vous pas d'accord alors. Non parce que... Ah, bah... Voilà quoi, y a pas de perroquet, du coup je suis carrément triste. Moi bon, attends, je vais... Attends, bah attends, après, je vais vérifier, attends. Je suis pas hyper informé, je serais pas trop dire leur fréquence de spawn. Alors... Oh putain, j'ai trouvé un temple, si ça c'est pas magnifique. En tout cas, ils sont un peu chiants à déplacer par contre. Ah attends. Génial. Ouais, je crois qu'ils vont faire. Plus haut, ils tombent. Ouais, j'ai vu ça. C'est ça. Oh putain, je suis con, j'ai cru qu'il y avait un perroquet, c'était l'ombre du soleil, voilà. Et c'est quoi tu fais en live, Colo? Je sais pas, j'ai pas une bonne connexion, du coup, voilà, c'est un petit peu mort. Ah, c'est dommage. Ok. C'est plutôt dommage. Eh, par contre, je découvre un temple, c'est génial, j'espère que j'y suis pas allé. Attends. En tout cas, le mieux pour les perroquets, c'est une laisse et un bateau, et le plus rapide pour les déplacer. Ah, très bien. Donc, bateau, c'est seulement un par un, vu que tu peux être que deux dedans, il faut que tu sois dedans. Ah, voilà, d'accord. Très bien. Voilà. Donc si t'as un... Putain, j'avais déjà vu ce temple. Oui. Ah bah écoute. Bah très bien. Après si t'as pas d'eau, c'est pas le bateau, ça sert à rien. C'est vrai, bah tu peux avancer sur la terre finalement avec le bateau. T'as, ouais, t'as une autre technique mais bon. Ouais mais un peu lente. C'est vrai que c'est un petit peu long. C'est la plus chiante en fait. C'est avec un minecart et des rails et tu le fais passer dans le nether puis tu lui fais aller jusqu'à ton portail. Ah ouais. Bah c'est une idée, c'est une idée. Non, en mais... général, ça pour les PNJ parce que eux y a pas d'autres moyens. Ah voilà, c'est sympa. Bah écoute, moi j'aimerais juste avoir un perroquet. Non, parce que écoute, parce que par exemple, tu vois les moutons, c'est pacifique. Ouais. Et ben dans mon chunk là où il y a ma maison, tout ça, il y en avait plus et en fait ça respawn. Ah, alors je connais certaines conditions qui les font respawn, mais je saurais pas te dire. Ah, bah alors, c'est pour ça que je me dis peut-être que les perroquets ça respawn comme ça, genre normal. Normalement, les mobs passifs ils respawn pas, hein, sauf. D'accord. Certains bugs parfois liés à des. M.E. Colo. Ou d'accord. Jeu, oui. Parfois même en serveur. D'accord. Putain, y'a pas de perroquet. Ça me saoule. Au pire, tu en fais spawn. Ouais, bien sûr, carrément. Madventure, c'est vrai que c'est bien connu, je cheat dessus. Bien sûr. Hey, tu vas pas le cacher, on le sait tous, tu sais. Ah bah, bien sûr. Par contre, c'est quoi la voix que t'as, mec? C'est la voix de je suis fatigué et j'ai très chaud. Ah ouais, ben bah là je suis en train de transpirer comme un gros porc, hein, je vais pas te mentir, je suis en sueur. Voilà. Tu vois, limite je voulais venir jusque chez toi en vélo, mais non. Ah ouais, ouais. C'est... T'es un bâtard. Bah ouais, mais il fait trop chaud. Bah et alors, moi je vais te refroidir. Ah, j'ai retrouvé le portail, c'est génial. Bon du coup je vais m'en arrêter là pour cet épisode, je suis très déçu, je vais pas te mentir. Je vais couper le micro, ciao les gars, merci d'avoir été là. Enfin les gars, ouais. Tu m'as compris. Ouais. Allez, ouais, à plus. Voilà. Bref, bon bah j'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, finalement on aura accompli quand même des objectifs. On va quand même redormir. On aura regardé un petit peu ce qu'a fait Créo. On regardera ses avancements. Oh d'ailleurs si, hey, Créo, si tu m'entends, hésite pas à customiser ma maison. Mais genre pas tout modifier, hein, attention hein. Mais genre à customiser, genre enfin tu vois, rendre un petit peu plus d'affinage, voilà, tu vois ce que je veux dire. Un petit peu quand même. Enfin bref, voilà, ça peut être plutôt intéressant. Faudra qu'on fasse le biome neige. Ah oui, il fallait que je vous pose une question pour le prochain épisode. Pour le prochain épisode, on va faire l'objectif qui est... j'ai pas le livre. Qui est de créer un mini-volcan. Et en fait, je me demande où c'est qu'on va le faire. Parce que faire un volcan, ça risque d'être assez sympa. Mais par contre, je ne sais pas où le faire. Sachant que tout va s'étendre, enfin tout notre territoire, c'est tout autour de la maison. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup privilégié la partie là, en fait. Merde, qu'est-ce que je fais? On a beaucoup privilégié toute cette partie-là, voilà, la maison de Tounfou est là, le champ de blé est là, là-bas il y a la tour, enfin l'avant-poste, d'ailleurs on va aller à l'avant-poste, comme ça on aura une petite vue, là-bas il y a la maison de Créo, mais, bon voilà, bref, le volcan, dites-moi en commentaire où c'est que vous voulez qu'on le place, essayez de décrire au mieux l'endroit. Quand je dis un mini-volcan, ça aura quand même un petit peu d'ampleur, mais pas énorme non plus, c'est pas un truc qui va faire la taille de la maison, mais... on va dire la taille de cette butte de terre, vous voyez? Cette butte de terre. On va pas faire un volcan ici parce que... Ah, quoique, ça peut faire tropical avec la maison de Créo. Enfin, bref, dites-moi en commentaire si vous avez une idée d'où c'est qu'on pourrait le faire. Et si vous avez des idées de comment réaliser ce mini-volcan. J'ai des idées, bien évidemment, c'est pas très compliqué. Hein. Mais si jamais vous en avez en plus, moi, je suis pas contre. Attends, on va retourner ici, c'était comment, nous? Ah ouais, c'est vrai, c'est un parcours. Putain, j'avais oublié ce que j'ai fait, quoi. Un vrai plaisir.
Bon, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord aussi. Le lien il est dans la description, comme ça on peut parler ensemble, c'est plutôt cool. Et puis voilà. Ah, très bien, je me suis cassé la gueule. Bah, c'est quoi? Je vais cheater, voilà, je vais monter Liliane, on s'en fout. À un moment donné, je vais monter Liliane. C'est un prénom ça, je vais monter Eliane. Ok, c'est cool ça. Bah, du coup, on va s'arrêter là. Juste ici, c'est beau. C'est magnifique. On a une petite vue, ma foi, fort sympathique, j'ai envie de dire. On va pas se mentir. Avec les petits arbres ici. Mais je réfléchis à ce qu'on pourrait faire. Là, il y a la maison de Tunfu, mais admettons que Tunfu la déplace. Parce que, en fait, c'est dommage qu'elle soit là, en fait. Ça rend une petite maison de merde. Hein. Enfin, dans le sens de l'ampleur. Hein. Sinon, c'est joli, hein, bien évidemment. Mais dans le sens de. Regarde, tu vois cette maison-là. Tu vois que ça, ça prend de la place quand même. Ça, c'est vraiment la plus petite des maisons et la plus moche, hein, vous l'avez compris. Mais ouais, c'est vrai que Tunfu, il pourrait faire une plus grande maison, genre par exemple ici, tu vois. Genre là où il y a l'herbe, là, tu vois, ce serait pas mal. Ou alors faire le volcan, là, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire et on verra. On essaiera de customiser un petit peu ma maison, d'ailleurs. On verra un petit peu en temps et en heure. Du coup, pour le prochain épisode, on fera le mini-volcan. Voilà, c'est dit, c'est fait. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, comme d'habitude. Et puis, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao tout le monde!